Cinq paroles, c'est un conflit prophète. Après Judas, qui a vaincu l'armée haut. Et c'est le même Judas qui a trahi Jésus. Jésus a Je pense que j'ai croisé le prophète Joël Cassio, ça fait maintenant. J'étais au début de carrière, lorsque je suis arrivé dans le studio de la place, pour faire cette queue. Ça s'est bien passé. La chanson de Josué Adama figurait sur son album. C'est senti un problème, ma fille, ça figurait sur mon album, il a fini la chanter. Voilà, donc j'ai aimé la mélodie et tout. Et bon, comme moi je suis dans le studio, elle est mon prophète. Je vais t'exploiter ça. Et vous avez exploité ça? En tout cas, je l'ai bien plaisir. Et ça a été bon. Depuis 10 ans que vous existez. Le plus spirituel, c'était un homme de Dieu exemplaire parce que je connais plusieurs hommes de Dieu, j'ai eu plusieurs pères spirituels et tout. Voilà, donc je pense que je fais partie des hommes de Dieu, en tout cas les plus sincères. Vous êtes plus sincère? En tout cas, très sincère avec Dieu, dans les relations avec Dieu. Voilà, et il est assez simple, il est assez simple, il aime les gens. En tout cas, sur le côté spirituel, quand on parle de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il est vrai qu'on est en train de ça. Je l'ai vu à l'heure. Je l'ai vu dans sa prière. Je l'ai vu face au sorcier. Comment est-ce qu'il prie là-bas? Plusieurs fois. Ce qu'il faisait là-bas? Ben, il m'invite pour chanter. Il m'invite pour chanter et puis c'est pas la première fois que je vais à ses croisades et tout. Voilà, dans mes chansons, dans mes albums, il y a toujours des chansons pour Dieu. D'accord, ça parle de là, c'est des autres. Voilà, justement. Voilà, donc il m'invite, je vais, je chante dans son église et tout. Donc j'ai la chance d'assister quand on fait le témoignage des sorciers, aussi d'assister au témoignage des sorciers et tout. Donc voilà, je peux. Je te remercie d'être venu ce matin, hein, là-dessus. Ok, merci beaucoup. Alors, oui. Bon, ben, c'est pas très commun de voir un homme de Dieu. Il y a plusieurs fois, oui, récemment, dans l'ordre, dans l'accident. Voilà, je pense qu'il y a eu. Alors, on a venu prier, c'est là que tu as eu l'accident. Voilà, je suis allé. Ah, vous avez prié ensemble d'abord? Oui, on a prié ensemble, je t'ai dit, on a prié ensemble et tout. Et il a même dit, fais attention, c'est ouais. Aussi. Vous avez compris. Il a une façon de consacrer. Il y a un mot qu'il a dit à un endroit, qu'il veut faire ce qu'il voulait. Il dit, tiens, choukouya, mon voisin. Ah, voilà. Ça veut dire que tu as choukouya. Choukouya, moi, je veux choukouya. Moi, je veux choukouya. Ah, c'est un peu de voilà, donc, il fait attention à tout ce que je sens. Donc, quand l'accident arrivé, j'ai appelé. Et je vais. Quand il y a eu l'accident, c'est la première personne qui l'a toi appelé, c'est moi. Vous aussi le journal en justice. Vous pouvez payer les choses. Mais en même temps, je ne vais pas donner un nom au journal. Le prophète, ça arrive dans les journaux, les stars magazines, et il cherche un nom coupable. Moi, je ne veux pas donner cette occasion. Parce qu'il a donné lui-même. Et ça, c'est Matin Bonheur. C'est tout. Matin Bonheur. En pleine émission, c'est lui qui va vous dire les choses. On va prendre les spots, voilà. Et juste après, on aura la présence de Dieu Christ. Voilà. Merci.
Non, non. C'est à toi de me donner l'âme de mon papa. Oui. Hein?
nous encadrer comme papa qui a donné. Parce que tu as été intronisé comme reine. C'est tout. Allez donner la tour. Donc tu as décidé de donner, tu as pris son âme, tu as donné. Tu voulais mourir par accident. C'est tout, les épées qui marié. Elle va tout le monde comme Dieu. Faut bien expliquer ça. C'est moi qui ai ton père. Ta fille demande à Dieu. Il a fait la sienne, ma fille. Comment t'as pris l'âme, mon papa? T'as pris l'âme. Il est bien couché. Oui, voilà. Comment elle a pris l'âme de la fille? J'ai pris son âme. Il est donné. Donné de son âme. On ne fait rien à la fille après. J'ai pris son âme et il est donné de son âme. Arrivé à la maison de Saint-Denis, je bois. Je ne peux jamais. Attention. C'est comme Gabriel là-bas. Oui, il y a un coup pour l'accident. Donc, il a travaillé avant votre Dieu. Non. Vous avez travaillé l'accident. Et dès qu'il mourait dans l'accident, c'est fini. Oui. Comment? Le Seigneur a dit tout à fait. Ça a fait quoi? C'est quand il y a la foule, tu as fait l'accident. Amen. N'oubliez pas qu'il est un artiste qui doit respecter, c'est la nuit qui joue souvent ses vidéos. Vous savez qu'il y a une solution. Vous savez qu'il y a une solution. Donc, nous sommes juste arrêtés là-bas. Et voilà tout ce qui passe à ce a perdu son âme. Non, mais en bon accident, qu'est-ce que tu as fait à son âme? Je vais perdre son âme. Tu as perdu son âme. Tu as perdu son âme. Donc tu es convaincu que si ton père mourait là, il irait devenir là-bas comme reine. C'est ça? Avec des reines là-bas. Ça va la nuit à quoi des bons, il y a quoi des sacs d'un Dieu là-bas. Papa. Vous avez une bouteille là. Comment est-ce que vous avez demandé ce que vous avez? Il n'a pas dit, non, il n'a pas dit Dieu. Il a un esprit. La veille, la fin du jour, dans son corps. Ça me dit la vision, si tu as vu la barre des âmes, tu me trouves du père. Il a tout bien. Nous allons prier pour lui la main. Ça, c'est important. Parce que, au fait, le problème, c'est un processus. Comme ils ont loupé l'accident, ils ont donné une maladie à la tour en 2015. Parce que la fille, elle a envie d'être reine. Pour ça, j'ai décidé de prier. Voilà. Je ne sais pas. Moi, si, c'est parce que c'est des choses qu'on a un abandon. Amen. Quand Dieu voulait venir à Abraham, il dit le fils que tu aimes là, Isaac, donne-moi Isaac. Comme un sorcier là, c'est ce qu'on n'aime pas là, il va faire. Il va te faire. Moi, si tu voulais qu'il marche, elle soit commentée. Tu m'en vas au bout du match. T'as dit pour que tu marches. Avant de vous arriver. Nous allons s'en prier pour lui. Amen. Parce que vous voulez bien nous expliquer ça. Il y a ce qu'on appelle la programmation. Quand c'est programmé, et moi j'ai dit, on peut prier pour lui. Il peut avoir l'accident et tout ça. Mais toi, tu es programmé ça. Voilà, c'est comme
que nous aimons pour aller leur louer la mort. Avec ça doit subir. C'est-à-dire qu'en mouvement la semaine dernière, il faut forcément quelque chose. Parce que ce sont les moments les plus dangereux, il faut forcément quelque chose qui nous assurer dans tout le monde. Et ça, on va pas laisser faire. Amen. Dans ce qu'il va faire, nous allons ensemble prier pour certains de vous, qui ont ces choses à dire. Nous tous ceux qui ont fait mon père, tous ceux qui ont fait mon maman, tous ceux qui ont fait. Nous allons prier pour que tout ce qui est de programmation de la machine à toi, je nous sois déprogrammé à la demande du chef. Ce que tu dis, tu n'es pas, il est en place pour la délivrer. C'est quoi écrit dans la chapelle? Nous allons prier pour que tout ce qui est de programmation de la machine à toi, je nous sois déprogrammé à la demande du chef.